Eh, hey, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de se retrouver, ça fait longtemps que j'avais pas publié une vidéo sur YouTube. Et en ça, je m'en excuse un petit peu, vous savez, je démarre mon entreprise et j'ai du mal un petit peu à bien m'organiser, mais ça, c'est mes résolutions pour 2022. Allez, c'est parti, aujourd'hui, vous allez me suivre sur la fabrication d'un meuble sur mesure pour une chambre de petite fille, tout en médium, un médium qui sera pré-peint et la peinture finale sera réalisée par la cliente directement. Pour ce meuble, j'utilise du médium de 19 mm d'épaisseur. Et vous verrez, il y a un plateau donc pour le sol, la planche qui sera posée au sol parce qu'il n'y aura pas de pied. La planche qui sera posée au sol et le plateau, vous verrez, il y a un plateau qui fait 1,70 m. Pour ça, j'utilise un médium de 30 mm. J'ai été très surpris par le poids de tout ça. Ça pèse un âne mort. Et pour information, il m'a fallu 4 plateaux, 3 en 19 et 1 en 30. Ce sont des plateaux qui font 2,80 m par 2,07 m. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, donc j'ai réalisé le débit de toutes mes planches. C'est un meuble qui fait 2,80 m de haut. Donc il y a deux colonnes de 2,80 m plus une partie horizontale, voilà, posée au sol. Vous verrez ensuite à la fin. Donc je réalise tout le débit avec mes deux rails assemblés et ma scie plongeante. Et ensuite je marque mes assemblages. Avec cette hauteur de 2,80 m, il va falloir que je dispose des tablettes intermédiaires fixes afin de stabiliser l'ensemble. J'en dispose deux. La première qui va se situer à 1,10 m, qui va être la hauteur de la penderie de cette chambre d'enfant. Et la deuxième à 1,80 m, qui va être en fait la hauteur de la première porte. Donc voilà. Au niveau des assemblages, rien de très compliqué. Lamello, vis d'assemblage et un petit peu de colle. Et ce petit point de colle sera mis lors de la pose sur chantier. Ce meuble n'a pas de fond, vous verrez, ce qui n'est pas très grave parce qu'elle sera posée dans une pièce une maison en fait, qui est en rénovation. Donc tous les fonds sont propres, les murs sont en placo, tout est propre, bien enduit, bien fait, donc il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra prévoir quelques équerres pour pouvoir stabiliser l'ensemble. Voilà, une bonne partie du meuble est assemblée. Alors, par en dessous, ce sera vissé, par au-dessus, ce sera collé et serré pendant le montage. Pour ça, j'ai pris une colle à prise rapide pour pouvoir faciliter un petit peu tout ça. Et ici, là, on a une grande colonne qui monte à 2,80 m. Et bien sûr, tout ça, maintenant, il faut faire des étagères, des portes, etc., etc. Mais en tout cas, là, le montage de l'ensemble, c'est plutôt bien passé. Maintenant, on va peaufiner, si vous voulez. On va poncer tout ça, peaufiner tout ça, faire des tout petits chanfreins à 45 degrés, mais très légers. C'est juste pour casser un peu les angles. Et puis après, on va passer à la peinture. Bon, voilà le programme qui suit. Bonjour la compagnie, alors là je suis parti poser le meuble. Alors, je suis désolé, j'ai pas réussi à tout filmer, donc vous avez pu voir en fait comment je gérais l'assemblage, les assemblages. Là je pars poser. Apparemment la cliente va être présente pendant tout le temps de la pose, elle va regarder comment je fais, donc je pense pas pouvoir vous filmer grand chose. Je vais essayer de vous prendre des photos et voilà, c'est pas un grand partage de fabrication, c'est plutôt un partage d'expérience de mes
de mes débuts, de ce premier beau chantier. Alors c'est pas mon premier chantier, mais c'est un premier beau chantier en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener le plus possible, le plus loin avec moi dans ce projet. J'arrive d'ici un petit quart d'heure. Là, j'ai tout chargé dans la voiture sur la remorque. Voilà. Bon, bah écoutez les petits loups, je vous reprends tout à l'heure. Je vous ferai quelques photos de la pause, si je peux, etc., etc. Allez, ciao. Une pause qui s'est bien passée malgré quelques petits ajustements qu'il a fallu faire sur chantier, notamment la hauteur d'une colonne qui était trop haute de à peu près 1 cm. Mais voilà, je vous laisse quelques petites photos. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires qui est faite pour. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, et pour ne pas rater la suite, abonnez-vous. Allez, ciao !